That was one of the ghettoest shit I've ever done. Ici Chaïsma et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais faire un vlog. Vous allez voir par le titre, ok, le vlog va consister à moi qui va réaménager ma chambre, qui va redécorer ma chambre parce que ma chambre était un mess. Legit, ma chambre was a mess, and j'ai vraiment eu besoin de changement. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laver mes murs. Puis aussi, je vais déplacer mon lit parce que j'ai déjà défait mon lit en tant que tel. C'est juste que ben, je voulais pas montrer parce que j'ai décidé aujourd'hui que j'allais faire un vlog. Ok. Donc, ouais, je vais déplacer mon lit, peinturer mes murs, puis quoi d'autre? C'est ça. J'ai déjà acheté ma peinture. Je vais vous montrer où est-ce que j'ai acheté ma peinture et tout. J'ai des footage. Là, il est peut-être 3 heures de l'après-midi. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps. On va commencer ça live, ok? Maintenant. Là, maintenant, je suis au village des Valeurs. Qu'est-ce que je cherche? C'est de la peinture. Parce que ma soeur, elle m'a dit qu'elle avait trouvé de la peinture pas chère ici. T'sais, parce que moi, j'ai juste de la peinture blanche. Fait que c'est sûr, certains vont en trouver quand même. Cependant, je voulais de la peinture. J'allais au Walmart aller acheter ma peinture. Puis c'était 20 $ le pot. Donc là, elle m'a dit que moi, j'aurais pu trouver le pot à 6 $ au village des Valeurs. Fait que, fuck it, je vais trouver, on va essayer de trouver ça ici. Hello, hello. So, yes, let's go. Ok, so, shout out à ma soeur de m'avoir induit en erreur. Parce qu'ils ne vendaient pas de peinture au village des Valeurs. Fait que là, on est au friperie Renaissance. Eux, ils vendent de la peinture. Donc, je vais acheter ma peinture là. C'est quoi? C'est 2 $ moins cher que chez Walmart. So, whatever. So, on va économiser. OK, guys? So, yup. On va acheter. Okay. Ça, c'est mon ancien lit. Ça, il va falloir que je le déplace. Je ne sais pas si je vais le mettre encore. Ça, ça venait avec les tiroirs de mon lit et tout. Il va falloir que je le déplace. Ça, c'est mon lit aussi. Ça, c'est mon matelas. OK. Ça, je vais le déplacer. Je crois que je vais le mettre dans mon garage. Puis c'est ça. OK? Il faut que je fasse de l'espace pour pouvoir bien peinturer mes murs. OK. So là, je vais laver mes murs. Regardez. Oh my God. Il faut que je lave mes murs. Ça, c'est ma chandelle. OK? Donc là, je vais laver mes murs parce que je veux partir sur un good start. J'ai déjà passé le balai et tout, fait que c'est très bon. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est laver mes murs, peinturer. Donc, je vais le peinturer avec je vais mettre le primer en premier. Après ça, je vais mettre ma peinture blanche. Puis, c'est ça. OK? Au fur et à mesure, je vous montrerai. Je vais boucher les trous. Les trous, je vais les boucher avec une affaire qui s'appelle Dritex, plâtre à reboucher. Okay? Je l'ai acheté au Walmart, puis j'ai acheté ça aussi pour boucher les trous. Mais c'est ça, ouais. C'est juste pour boucher les trous parce que j'ai mis des clous, quoi que ce soit, fait que je veux juste que ça soit uni. Donc, je vais faire ça partout où j'ai mis des trous.
Ok, so là, gars, j'ai déjà installé mon premier armoire. Armoire de Ikea. Donc, j'ai pris les deux. J'ai pris un, lui, qui venait avec le miroir, puis lui. Là, maintenant, mon père, il va installer ma lumière. Et that's it. Oh, puis j'ai aussi fait ma table de chevet en même temps. Donc là, ça, c'est la même marque que mon lit. Ok, so là, on est rendu à la deuxième partie de, du Brands. Donc, j'ai monté ce meuble, right? Il me reste tout le gros meuble où est-ce qu'il y a un miroir au milieu. Donc, je vais avoir ça presque dans tout mon mur ici. J'ai pas encore décidé comment je vais placer ma chambre, mais je viens de réaliser que mon AC est ouvert. Alright. So là, j'ai pas encore réalisé ou bien défini comment je vais placer ma chambre. Mais pour le moment, je vais le mettre ici. Donc, les deux collés ensemble. Puis, c'est ça. Donc, encore, c'est Jason qui va m'aider à monter le deuxième Brands. Alright. Okay guys, aujourd'hui c'est la journée où est-ce que on va faire des courses. Les courses vont consister à acheter. J'ai besoin de nouvelles serviettes. J'ai besoin de nouveaux draps pour mon lit. Tu sais, quelque chose qui va matcher avec ma chambre, ma nouvelle chambre. Quoi d'autre? J'ai besoin de cintres. De cintres à pantalon parce que vous voyez ma commode. J'ai besoin de placer mes pantalons dans la commode. Ok. Oh, là maintenant je suis en direction de pour aller au GISC. Ok. Je vais aller à trois endroits. J'ai trois endroits en tête. J'ai GISC, j'ai Walmart, puis j'ai Winners. Ok. Winners, ils ont vraiment des cute stuff. D'affaires genre, j'aime vraiment ça pour les petites décorations. Je crois que je vais aller là. Ok. So, ça c'est vraiment les trois endroits où je vais aller. Puis vous allez venir avec moi magasiner. So, yes. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, you can't be replaced. So go now, and do what you do. That's why I'm spending my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world, don't you understand? That was one of the ghettoest shit I've ever done. Okay. Puis vous n'avez pas le droit de me juger. Okay. Je ne savais pas où mettre mes vêtements, so je les ai mis dans des sacs poubelles, transparents. Mais anyways, vous avez absolument pas le droit de me juger parce que je ne savais pas quoi faire. Alright. So là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Je vais prendre mes vêtements, je vais les mettre, je vais essayer de les ranger dans mon dans mes nouvelles commodes. Right? Parce que c'est le temps, hein, parce que maintenant je sais plus où sont mes vêtements, donc j'ai besoin de les voir. Okay? Donc là, je vais les placer. J'ai acheté quelques affaires chez Ikea pour ranger le tout. Puis aussi, j'ai acheté des cintres que je n'ai pas. Ils sont quelque part, ils sont vraiment nice. Je vous reviens, j'allais les chercher. C'est ça. Okay? Donc, je vais souffler. Donc, il y en a 50 dedans. J'ai acheté ça, c'est Costco, c'est très bon, antidérapant. Waouh! Ok? Bon! Donc là, je vais passer mes vêtements et puis c'est ça. Je crois que ça va être ma tâche aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire. So, yup! Yeah.
Ok, là vous pouvez voir, j'ai fini d'arranger mes vêtements. Je les ai arrangés par couleur. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné dans la vie, par couleur, par ordre de grandeur aussi, ou par manche. Comme ça, je sais toujours ce que je recherche. So, c'est ça. Ok. Maintenant, c'est le temps d'arranger mon lit. Okay, donc là, je mets les couvertures, je mets les oreillers. On va arranger la chambre pour que la chambre soit un peu plus esthétique, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Changer mes draps, changer mes oreillers, changer ci, changer ça. Ok, maintenant on est rendu à la dernière étape qui est maintenant de décorer ma chambre. Ils sont tous placés sur mon lit, mes petites décorations et tout. J'ai acheté des lampes, j'ai acheté des fleurs, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Mais ouais, c'est le temps de les placer, puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne. J'ai vraiment hâte. Ok guys, donc là j'ai fini de décorer ma chambre. Je suis contente. C'est sûr, il va me manquer quelques affaires à acheter, comme je vais peut-être acheter un tapis ou... non, c'est sûr, je dois mettre une ampoule aussi. Cependant, je ne vais pas le faire maintenant, comme... Your girl is tired, ok? Les dépenses sont terminées, ok? Pour le moment. So là maintenant, guys, je vais vous montrer ma chambre bientôt, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser un commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ma chambre ou quoi que ce soit. Puis aussi, si... je vais mettre le tout dans la boîte de description, mais si vous ne voyez pas ce que vous avez besoin, quoi que ce soit, ou bien si je ne marque rien, vous pouvez aussi m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. Je réponds à peu près à tout le monde. Puis aussi, vous pouvez aussi me DM sur mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ok? Donc là, guys, c'est le moment de vous montrer ma chambre. Donc, sur ce,
Bye, mes belles. Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel a chemistry. I won't let no one come and take your place. 'Cause the love you give, you can't be replaced. So go now, let's make you do. That's why I'm fine. Spend my life with you. I won't please you in any way I can. I won't share my world. Don't you understand?